Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux aventurières de Saint-Dizier qui s'apprêtent à vivre une expérience unique. Dans quelques jours, elles vont s'envoler pour le Maroc afin de participer au célèbre trophée Rose des Sables. C'est un rallye 100% féminin où l'esprit de solidarité et le dépassement de soi priment. Bonsoir Angélique. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Alors, comment vous est venue cette idée un petit peu folle de vous lancer dans cette aventure? Je le rappelle, c'est quand même 13 jours dans le désert. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, on se connaît maintenant avec Noémie depuis 25 ans, au niveau professionnel. Après, on est devenus amis au bout de 25 ans. Et on s'est dit, les enfants étant grands, pourquoi pas un petit peu se dépasser toutes les deux hors de la Haute-Marne et de faire quelque chose vraiment pour nous. Et de solidaire, toujours. Donc, on s'est rallié sur un rallye. Et donc, ce rallye-là, le Trophée Rose des Sables. C'était celui qui vous attirait particulièrement ? Oui, parce qu'il y avait l'idée de solidarité derrière. Et comme on travaille dans le social, on voulait vraiment qu'il y ait cette notion de solidarité en plus. C'est ce qui a fait la différence avec d'autres rallyes qui sont plus connus. Je pense au rallye des Gazelles, etc. Il y a aussi de la solidarité au rallye des Gazelles, mais c'est celui-ci qui nous intéressait. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Vous partez dans le désert pendant 13 jours, vous allez faire quoi? Alors que la conduite de 4x4, donc c'est une course d'orientation, de navigation, donc on n'a pas de GPS, c'est toute la navigation à l'ancienne, à la boussole, avec des dépassements d'obstacles. Ce n'est pas une course de vitesse, donc c'est vraiment relier tous les jours certains points en faisant le moins de kilomètres possible. Donc je compte sur ma coéquipière pour me guider dans le désert. Oui, parce que vous êtes pilote, copilote, voilà, et donc c'est fait. Vous qui allez guider Noémie. Voilà. Alors, vous n'avez aucune expérience, si je puis le dire, ça va être la première fois. Quels ont été un peu les défis de préparation? Vous avez dû faire de la mécanique? Alors, on a eu un stage, il n'y a pas très longtemps, courant septembre, on a été chez M. Pégase. Pégase Drive, c'est lui qui nous fait la location du 4x4 et qui fait en plus ses formations. Donc, Noémie a pu se former en conduite. Bon, les dunes en Alsace, elles ne sont pas énormes, mais bon, quand même, des bonnes côtes qu'on a pu franchir toutes les deux. Et donc, moi, à côté, qui pouvait aussi la guider sur ses roues, où est-ce qu'il faut qu'elle s'aligne pour qu'on peut... que ça puisse passer au niveau du franchissement. Et de l'autre côté, tout ce qui est orientation avec la boussole, parce que donc pas de GPS, comme disait Noémie, la carte, la boussole, où je dois me placer devant le 4x4, essayer de fixer un endroit, et puis la grande confiance entre elle et moi, elle qui doit nous faire passer des bons caps, on verra bien. Ce sera un travail d'équipe finalement. Voilà, c'est tout ça. À fait. Et alors vous êtes préparée au niveau de la logistique, il faut du matériel aussi, j'imagine, un 4x4. Oui. Donc le 4x4, on l'a loué, il est préparé spécialement pour ce type de rallye. Pendant notre stage, on a fait aussi une grosse partie mécanique, puisque rouler en 4x4 dans le désert, ça nécessite certaines spécificités. Le franchissement des dunes, il faut dégonfler les roues, il y a plein de choses à savoir. Donc on a appris tout ça grâce à notre stage. Il vous faut quoi comme matériel? On a pratiquement tout. Tout en double dans le coffre. On a vraiment tous les compresseurs, on a toutes les durites, les pièces mécaniques. Vous ne serez jamais accompagné, c'est tout le temps vous, toute seule, qui devez le faire. On doit faire une partie quand on peut, nous-mêmes, dans le désert, puisque si on appelle le staff de mécanicien, ça nous enlève des pénalités sur le classement général. Et autrement, tous les soirs, lorsqu'on rentre au bivouac, on a une équipe de mécanos qui est prêt à travailler sur nos 4x4 si on a casser ou abîmer certaines pièces plus spécifiques. Comment vous allez gérer ça? Vous allez être pendant 13 jours dans le désert, vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que vous avez peur de faire face à des difficultés? C'est vrai, tout le monde nous pose cette question. Est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur, on a envie d'y aller. Ça fait 4 ans quand même qu'on est dans ce projet-là. Et maintenant, ça y est, c'est concret. On part dans 10 jours aujourd'hui. Dans 10 jours, on est parti et on a envie de le faire. Donc la peur, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura des moments. Peut-être, surtout qu'à un moment, on ne va pas rentrer au bivouac. On va rester une nuit toute seule dans le désert. Donc là, il va falloir gérer. Mais on se connaît tellement, je pense qu'on verra. Mentalement, vous êtes prête? Oui, mentalement. On n'a pas d'appréhension. Après, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de panne mécanique pour nous permettre d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, vous le disiez, il y a du bénévolat. Vous allez porter une cause. C'est quoi cette cause?
Donc le rallye Trophée Rose des Sables, on est avec surtout deux grosses associations, donc Ruban Rose, que tout le monde connaît, en plus c'est le mois, donc voilà. Mmh. Et l'autre association, c'est Enfants du Désert, où on va acheminer donc des dons pour les enfants du désert, que ce soit des dons pour la scolarité, l'hygiène, la santé. Donc on est en train de lancer une cagnotte pour récupérer des dons. Alors des dons, ça peut être tout type de dons, des cahiers, des... Des cahiers, des produits d'hygiène, des jeux d'éveil aussi, on prend tout ça. Chaque équipage doit emporter au minimum 50 kilos, hein, qu'on ira amener après là-bas en direct. Alors comment ça va se passer en quelque sorte? Là vous allez partir de Haute-Marne, vous allez direction où? Après vous allez au Maroc, comment ça se passe? Donc je laisse... on part de Haute-Marne le 14, on va directement à Pau, car c'est à Pau qu'on se regroupe. Bah, le plus gros se regroupe, parce qu'il y a des filles aussi qui viennent du Canada. Elles arrivent au Maroc. Donc le plus gros se fait quand même sur Pau, où là il va y avoir toutes les vérifications sur 2 jours. Ensuite, donc on part toutes, on va se suivre à la queue leu-leu, on va traverser toute l'Espagne pour arriver à Algésérias, où là on va prendre le bateau qui va nous emmener donc maintenant sur le Maroc. De Tanger, on va descendre jusqu'à Errachidia. Oui, voilà, dans le désert marocain. Voilà, où là, après, on sera toutes ensemble, toutes celles, donc les filles du Québec, les autres qui viennent aussi. Les nous, on a décidé de partir en 4x4, mais il y en a qui peuvent partir arriver en avion et louer directement sur place. Donc, on va se retrouver vraiment là, toutes ensemble, et là, on part sur notre rallye, où on le fait pendant 6 jours, et on revient après direction Marrakech, où on a une soirée clôture, et on remonte après tranquillement. Alors, dernière question, finalement, là, vous le disiez, sur le pied de guerre. Vous partez dans quelques temps. Qu'est-ce qui reste à faire, les derniers préparatifs? Il y en a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Non, là, on est essentiellement sur le flocage du véhicule, avec les sponsors, ceux qui nous ont soutenus et aidés pendant toutes ces années. L'organisation matérielle du 4x4, il faut qu'on installe tout dans le coffre, et il ne faut pas que ça bouge quand on sera dans le désert. Et puis après, donc, c'est la récolte de dons pour les enfants du désert. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de réussir ce rallye. Je le rappelle donc pour nos téléspectateurs, une cagnotte qui sera ouverte et un appel aux dons qui est fait sur la Haute-Marne. Merci d'avoir été avec nous. Merci.